Un enchaînement de symboles qui définit le trajet du robot Panda. Un parcours imaginé par ses élèves de grande section de maternelle qui, sans le savoir, sont en train de créer leur première ligne de code. Les enfants vont pouvoir apprendre la logique en fait, de la programmation avec différents éléments qui vont correspondre à des déplacements du robot. Donc, par exemple, avancer, tourner, avoir des émotions. Et là, ils vont manipuler des principes de logique, de code, de programme informatique. Parler du digital sans écran et par le toucher, une façon de s'éloigner du langage compliqué des ordinateurs. Les enfants, ils ont totalement intégré que ça va être eux qui vont donner des ordres aux robots. Niveau supérieur pour les élèves de primaire, les lignes s'allongent et de nouveaux symboles apparaissent. Là, c'est tourner comme ça. Là, c'est encore avancer 4 fois. Quand tu te trompes, tu fais quoi ? Je recommence. Une démarche qui s'inscrit dans la pédagogie collaborative de l'école 42, un cursus personnalisé et un apprentissage par la pratique. Ce qui est important pour l'école 42, dans sa philosophie, c'est de laisser la chance à tout le monde de pouvoir faire une formation informatique de haut niveau. Donc on est dans une logique de déconstruction des stéréotypes. Et en fait, pour déconstruire des stéréotypes, il faut commencer très tôt. Secteur en expansion, les métiers du numérique cherchent à renverser les stéréotypes d'un milieu aujourd'hui trop masculin. Il y a beaucoup de préjugés sur la programmation. Moi, il y a encore 3 ans, je ne pensais pas du tout m'orienter là-dedans. Ce qu'on voulait aussi, c'était peut-être insuffler un peu la flamme aux petites filles, parce qu'on n'a pas, énormément de filles qui vont dans ce domaine-là. Et c'est dommage. Ces séances serviront peut-être à déclencher des vocations chez ces jeunes filles pour qui la robotique n'est plus un mystère.